octobre, le département Animation économique tourisme a mis en scène un colloque original et énergique sur le thème des stratégies gagnantes, animé par Christophe Deborsu et Hamid Faljaoui. Chaque année, les conseillers économiques de l'IGRETECH encadrent individuellement près de 200 projets d'entreprise. C'est pour stimuler ces projets et établir les premiers contacts avec les entreprises qu'IGRETECH organise une série d'événements qui contribuent à nourrir l'esprit d'entreprise et développer l'image positive de la dynamique économique régionale. Mais face au climat parfois morose et dans un contexte de crise économique et financière, plus que jamais, le défi est de taille pour continuer à encourager les entreprises dans leurs projets. Le département avait donc décidé d'offrir un moment étonnant et inspirant pour doper le moral des managers et recharger leurs batteries en organisant pour eux un colloque original où 10 managers chevronnés ont évoqué pendant 15 minutes leurs riches expériences personnelles. Venus d'horizons professionnels divers, ils ont de façon concise et directe livré leur vision et surtout leurs petits secrets d'entrepreneurs à succès. Le concept des stratégies gagnantes repose sur la volonté de ne pas imposer une vision, mais d'ouvrir le champ afin que chacun retire les meilleures sources d'inspiration. Je trouve ça une initiative formidable que à Charleroi, on puisse afficher des stratégies gagnantes, et il y en a. Ne soyons pas timides, osons le dire et le montrer à d'autres régions. C'est exceller dans ce qu'on sait très bien faire, c'est se concentrer sur ce qui fait nos forces, ne pas essayer d'améliorer ses faiblesses, ou en tout cas très peu, mais surtout marquer la différence par rapport à la concurrence en accentuant justement nos forces et ne se concentrer que là-dessus. Le danger, c'est de succomber à toutes les opportunités qu'on peut voir en avançant et de ne pas se concentrer sur ses forces, ne pas essayer d'exceller dans ce qui fait nos avantages par rapport à d'autres. Il faut qu'on sache ce qu'on fait, qu'on le maîtrise, qu'on soit proche de sa clientèle, qu'on soit proche de son personnel. Et une entreprise, ça ne se dirige pas uniquement avec des chiffres dans une tour d'ivoire. Ce qui me fait, moi, un plaisir extraordinaire, c'est le matin en me rasant de me dire « Mais voilà, ce matin, je vais leur mettre la nique. Ce matin, je vais être plus performant qu'eux et ce matin, je vais leur prouver que la taille n'est pas forcément un critère de performance. » Deux messages. Le premier, ne vous dispersez pas. Soyez les meilleurs dans votre métier et essayez de vous concentrer pour être sans doute le meilleur en Belgique ou dans les trois meilleures entreprises dans votre secteur en Belgique. Premier message. Le deuxième, osez aller en Flandre, osez voyager, osez aller, et pas seulement en France, parce qu'il n'y a sans doute pas la barrière de la langue, mais osez aller en Angleterre, osez aller en Allemagne, osez peut-être même aller aux États-Unis, voire en Asie. Il faut enfoncer des portes, il faut forcer son destin, il faut enfoncer des portes qui sont souvent fermées, qui vous font mal à l'épaule, mais il faut répéter, il faut ne jamais se laisser décourager, forcer son destin. Une de mes stratégies gagnantes, en fait, c'est la créativité. La créativité comme une source de productivité et d'énergie. Il s'agit de reconnecter avec l'enfant qui est en nous, avec nos intuitions, et il est tout à fait possible de réactiver cette créativité et d'être créatif. J'y crois, voilà. Avoir une vision, rêver au possible. Le possible, en fait, peut devenir une réalité. L'innovation, la créativité et puis surtout, tout part de l'être humain. Donc c'est croire, en fait, dans les ressources humaines et optimiser, en fait, et maximiser le potentiel de chacun. La qualité de l'homme ou de la femme qui dirige l'entreprise. Parce que si cette qualité, si les convictions de cette personne sont fortes, si sa capacité d'innover, sa capacité de gérer les conflits, de gérer les moments difficiles, si cette capacité est grande, s'il sait bien s'entourer, il va passer à travers toutes les difficultés, il va faire une carrière, il va construire ou développer une entreprise d'une magnifique façon. Je pense qu'il y a autant de stratégies gagnantes, on l'a vu aujourd'hui, qu'il y a d'acteurs sur le marché. Une stratégie gagnante, elle est peut-être gagnante au moment T, mais elle n'est peut-être plus au temps T plus 1, dans le sens où notre économie va très 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 vite aujourd'hui, donc les stratégies doivent aussi s'adapter. Donc une stratégie gagnante qui serait figée risque de ne plus être gagnante d'ici un an ou six mois. Il y a un élément central qui joue, c'est le facteur humain, homme-femme. C'est d'avoir vraiment une vision, un objectif très très fort. Deuxièmement, de transformer en projet, ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive, ses objectifs projets. Même s'il y a des difficultés, elles parlent d'elles-mêmes. Et évidemment, le point clé, ce sont les hommes derrière la stratégie.
les patrons, les dirigeants et les équipes qu'il y a derrière. Ben jusqu'à présent, elle a porté ses fruits. Le projet n'est pas terminé parce que je vous rappelle que le projet final, c'est de faire le tour du monde à l'horizon 2014, de bien gérer les hommes dont on a besoin pour mener un projet. Car seuls les hommes, finalement, vont nous amener à la réussite. Et dans ces caractéristiques, il y a évidemment les compétences, les regroupements, les âges. Il y a une caractéristique extrêmement importante, c'est ne jamais penser qu'on a les bonnes personnes. Il faut toujours aller rechercher la diversité dans les équipes, aller chercher ailleurs des compétences dans d'autres domaines. Et ces gens-là vont amener au projet, je dirais, abreuver en permanence le projet d'idées nouvelles qui vont finalement nous conduire au succès. C'est avec notre personnel, évidemment, qui représente évidemment un des paramètres essentiels du succès de l'aéroport, c'est de continuer à travailler ensemble, à l'innovation, à la créativité, à se changer, à s'adapter à nos clients, à s'adapter aux passagers, de manière à rester productif et de manière à pouvoir continuer à se développer. Mais quand les obstacles arrivent, s'il y en a, il y en aura toujours, mais ça fait partie du monde de l'économie, du monde de l'industrie. Les obstacles sont là pour les franchir et à nous de le faire. Quand vous avez des forces, continuez à ce que ce soit les forces. Donc il faut travailler sur ces forces. Il ne faut pas essayer à tout prix de se diversifier, d'attaquer des faiblesses que les autres font beaucoup mieux. Non, on fait quelque chose de très bien, continuons à être les meilleurs dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, évidemment, c'est de dire aux gens, travaillez sur vos forces et quelque part, osez aussi être créatif pour que vos forces restent des forces. Donc parfois, il faut changer de direction, s'adapter, mais toujours avec la même vision. Le travail, c'est quelque part le choix, la capacité de faire des choix. Et alors le professeur qui sommeille en moi, qui est en moi, va dire une formation permanente, c'est-à-dire une ouverture continuelle aux nouvelles techniques, aux nouvelles idées, ce qui nous permet d'innover, quel que soit le métier. Beaucoup de gens qui commencent par dire non. Moi, quand je dis non, je m'effraie moi-même, je dis non, je dois dire oui. Et puis on voit les difficultés d'un projet. Et un deuxième slogan, si vous voulez, qui est « keep it simple ». Il faut le garder simple. Je crois que les entrepreneurs, en fait, pour galvaniser les équipes, on doit être simple et simplifier les choses complexes. La troisième chose que je me force à faire et auquel je tiens beaucoup, c'est de construire des décisions. Je n'aime pas l'expression « prendre des décisions », on les construit un petit peu comme un artisan. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on doit être collaboratif et nous sommes des équipes qui faisons ensemble. Et donc, on construit une décision. Alors, le plus difficile de tout, c'est quand on a fait tout ça, c'est de ne pas avoir de regrets. Et c'est pour ça que je vous citais ça. En réalité, ce qui fait l'entreprise, ce qui fait l'entrepreneur, c'est qu'il regarde toujours demain. Parce qu'il y a toujours une façon de regarder le passé et de se dire « Merde, j'aurais pas dû faire cela » ou « J'aurais pu faire ça différemment ». Il ne faut pas faire ça. Il faut regarder l'avenir. Et quand on regarde l'avenir, mais quelque part, il est fait d'opportunités, ce que nous appelons, nous, les options réelles. Albert Frère a décidé que Charleroi, c'était sa ville. Que le berceau de la famille était ici. Il est clair qu'on a souvent des choses qui ne vont pas. On a des problèmes de toutes sortes. Et il faut essayer de relativiser et de dire, OK, bon, ça peut m'arriver. Et d'essayer de ne pas réagir de façon trop émotionnelle vis-à-vis de ces échecs ou vis-à-vis de ces contretemps que l'on peut avoir de temps en temps. L'initiative d'aujourd'hui est extrêmement importante. Ce genre d'initiative doit être, à mon avis, répétée le plus souvent possible et un peu partout en Wallonie. Diffuser ça, encourager, donner des infos, montrer des exemples et travailler par l'exemple. Ce sont de très belles initiatives et je crois qu'il en faut le plus possible. Extraordinaire. Pour moi, Charleroi bouge. On a vu différents projets, on a vu Couleur Carolo, on a vu toute une série de projets qui commencent à s'installer. Le musée de la photo, le bois du Casier, les projets de ville qui se font. Charleroi bouge. Et ça, c'est important. Ça doit se faire peut-être deux ou trois fois par an, je n'en sais rien. Ça doit continuer parce que ça doit dire aux gens, n'ayez pas peur de bouger. Oui, certes, il y a les crises économiques, il y en aura toujours. Ça, c'est un obstacle, mais est-ce que pour autant on reste dans son fauteuil, on ne bouge pas ? Mon meilleur client, qui est Ryanair, dit clairement, on ne s'assied pas et on ne reste pas passiviste. Non, il faut bouger, il faut oser. Donc, ce genre de projet, pour moi, est remarquable. Ça permet d'ailleurs de pouvoir s'exprimer. Et quelque part, j'espère que la prochaine fois, ça sera 10 autres intervenants qui viendront parler de leur success story.
et de leur stratégie gagnante et qui donneront aux autres en disant ben, ça marche, faisons des jeunes, développons ça. Donc, ben oui, félicitations à YGTech d'avoir eu cette initiative.